Voilà, branché connecté dans www.congodialogue.com, le site est de bonne manière. Mbotenabi nous soba amouré nous sa Congo Dialogue, Bao Bolinga Kabiso, Josué Boulou à l'international, encore dans vos petits écrans. Merci. Je suis très ravi de savoir que vous êtes toujours abonné massivement et continuez toujours à le faire en nous faisant toujours confiance pour vous donner toujours des nouvelles autant réelles. Alors, si vous n'avez pas encore fait, faites-le. Je suis ici en direct de l'Afrique du Sud, spécialement dans la ville de Cape Town. Bien sûr que cette émission est coordonnée par la coordinatrice et coordonnée par Francine Nguema de la Belgique, la grande dame de la Belgique, Francine Nguema Lukoka, la patronne. La bosse, hein, Bishomoto Komi, c'est la bosse, n'est-ce pas? Il y a eu un Wanama Francine Nguema. En fait, nous voulons juste récapituler ce qui s'est passé sur le plan religieux, sur le plan politique. Et aujourd'hui, ce week-end ici, cette semaine, vous avez vu comment le Congolais était toujours en ébullition, le retour de Martin Fayulu à Kinshasa. Comme vous savez, on vient de nous faire voir, il a passé beaucoup d'années, plutôt beaucoup de temps en Europe, après ses tournées, Belgique, Paris, les États-Unis, n'est-ce pas, pour toujours faire campagne, déclarant toujours la vérité des urnes et tout ça, disant qu'est-ce qui ne va pas avec le président Tshisekedi, l'acculant comme étant Mutua Tekimboka, et lutte Nabangoza toujours va combattre le président Tshisekedi, et ça l'a vraiment président, parce que c'est lui qui prétend être le président élu. Mais pour le moment, de l'autre côté, c'est d'un côté, la Mouka, de l'autre côté, c'est plus le président Fachi fait aussi ses tournées. Et cette fois-ci, tournée nationale, il a essayé un peu d'aller ça et là, Kisangani, Goma, Bunia. Il a même aussi inauguré un petit pont, n'est-ce pas, au niveau de Kisangani. Ça a fait quand même polémique. Comment se fait-il que le président de la République a pu descendre à ça le voyage, un voyage d'État, juste pour l'inauguration à pont? Bon, tant de réactions là-dessus. On n'en disconvient pas, chacun est libre de faire ses analyses. Voilà, permettez-moi de commencer un peu sur le plan religieux. Information ou actualité religieuse, c'est que Touti Kolanda, comment monsieur l'évangéliste Claude Kabundi Walesa a déclaré dans sa prédication que il a donné 2 ans à président qui est président Fachi Alukaye, sinon à Kokoufa. Je crois que je vous avais suivi des analyses que j'avais faites et même le vidéo lui-même en a déclaré. Et notre confrère Ndeko Eliezer, honorable Eliezer Tamboué, avec toute son équipe, vous avez suivi d'abord la vidéo les cas YouTube, à Kitagi pour nous voir réellement qu'est-ce qui fait que M. Walesa, qu'est-ce qu'il cherche, est-ce que Zoluka renommé, est-ce que Zoluka confiance. Alors, sur toute la même semaine, Wana, nous avons vu quelqu'un qui a dit Mbo TV, il vient un peu, ils disent que non, il intitule ses vidéos Les aventures de Kabundi Walesa. Vous avez suivi, il a pris presque une vingtaine de minutes pour dire que Kabundi Walesa est aventurier, il cherche toujours Kondiba Lukaye, et ainsi de suite. Il a parlé, il a beaucoup parlé, il a donné ses points de vue. Les avis étaient tellement divisés. Bon. En fait, c'est un peu ça. Alors, il a beaucoup de secrets. Au biso ba téléspectateurs, ba habiter surtout bato même au bazo prier dans quatre églises de réveil, centre de réveil. On a une voix qui chassa ya Kabundi Walesa. Alors, Kabundi Walesa, c'est un aventurier, il lui a acculé beaucoup de mots. Que pensez-vous de cette réaction? Que pensez-vous de cette réaction que Kabundi Walesa veut tirer l'attention du président Félix Tshisekedi, puis je sais pas quoi, à l'église, ou comment? Et il s'est défendu, il a dit non, pendant la prière, Dieu lui a dit, il doit donner ses messages, il a fait. Le message là, c'était comme une grossesse. Alors il a cherché, il a fait tous ses mécanismes, ses démarches pour que le message comme la présence Fachi. Mais le président Fachi était obligé d'enfanter ce message dans son église devant les caméras. Et ça là qui est un peu polémique. Congo est là qui est un peu divisé. Amis internautes, il y a Congo Dialogue, Kinshasa, RDC, mais là qui est un peu divisé. Que pensez-vous là-dessus? Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il a raison de faire cela? Parce que dans temps anciens, les prophètes aussi avaient des messages qu'ils donnaient au roi. Et certains rois allaient chercher les prophètes. Donc, il fait allusion à cela. Que pensez-vous? Sur ce, selon mon humble avis, moi je trouve qu'il y a des choses. J'allais oublier, nous avons aussi vu l'apparition de l'évêque Pascal Mukuna qui a contredit
il a tenu un peu de propos trop durs vis-à-vis des évangélistes Kabundu Ale Sabi. Mais quand si moi na oya wuti ko yaka ka lobby lobby a waza le ki na biso hein ye ebeli makambu ya ba prophétie wampi ye singla ki vanda aye ba nengeni na ko lo ba pona message wana za liko lukata so za mwana mukya vanda azano na maîtrise ya makambu ya nzamente. Ça c'est la réaction de l'évêque Pascal Mukuna. Non, on est allé en quelque sorte moi déviation, moi bavure, moi erreur ou yassani. Comme on doit laisser les gens sur le bord. C'est un jeune frère. Oui, a bandi qu'à la minité. En tout cas, bon, ça y est. Et là, on s'est allé une troisième expérience. C'était un IBP, Makamon ou bien bien. Donc, dans tout ça, chers téléspectateurs, peut-être que tu aurais à me demander de vouloir quel est votre point de vue en tant que journaliste, en tant que présentateur des émissions, en tant qu'observateur des faits. Moi, je trouve que eux tous, ce sont des hommes de Dieu. Je trouve que, je l'ai déjà dit dans ma vidéo, Nangel Eka, qui est que il y a certaines situations, il y a certains conflits. Je ne pense pas que c'est un signe à maturité que Bino Baum de Dieu est toujours la télévision. Bon, ça la cabarando. Eux comme une intimidation. Et quand ils vont intimidation, moi, ma casse, où il y a des propos peut-être qu'il ne faut pas tenir. Et quand je suis encore M. Kadiombo TV, il a aussi. Il a ses raisons, il a donné ses raisons, il a dit que non, c'était un aventurier. Moi, je trouve que appeler quelqu'un un aventurier, c'est une allégation, comme on dit ici en Afrique du Sud. C'est vraiment une allégation. Vous accusez quelqu'un. Si vous avez des preuves, moi, je trouve que M. Kadombo, vous avez seulement parlé. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen, peut-être dans vos prochaines vidéos, oh là, qui s'abstient à ma preuve. Si vous en avez, faites-nous voir, parce que les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Tu vois, et il y a de ceux-là qui sont, il y a des milliers et des milliers de familles qui sont là dans l'église des réveils, centre des réveils chez le pasteur Kabundu Alessa. Ils croient au Dieu de Kabundu Alessa. Il y a des gens qui témoignent les miracles, il y a des guérisons, des délivrances, il y a des gens qui sont bénis dans l'église Ouane. Alors, si vous avez des preuves tangibles, l'exception dans la télévision, parce que Bino Bimbo les gagnants, c'est dans les réseaux sociaux, dans YouTube, ça la barrande, Nabino, et. Pendant que lui faisait ça, Mujima, tu étais où, papa Kadiombo hein? Tu étais où? Ça, moi, je me suis posé la question quand j'ai suivi votre vidéo. Tous ces temps-là que Kabundu Ale, ça fait ça, dans le Bumbashi, tout ça, tout dans Mujima, au lobby, ça, là, qui va s'étape, tout, ma fabrication un miracle. Oh, Moutou, Zahir, Nasida, Bikate, tout ça, quelque chose comme ça. Oh, Moussou, Sakoufa. Tous ces temps-là, vous étiez où? Pendant que vous avez vu ça. Parce que dans le témoignage, non, je suis, je n'ai pas de témoignage, non, tu as un tel, tu as un tel, tu as un tel, tu as un tel, tout ça. Vous étiez où tout ce temps? Et pourquoi? Shalom, shalom. Je suis un peu sur Bambote. Et je suis l'évangéliste Daniel Mudiangomba. Je suis dit que l'histoire est un peu sur Boyebi. Je suis un peu sur Nazali. Nazali qui est impuissant. Vie limitée. Mais Nzambe asala ki ngolo na ye. Na kutani na musali ya Nzambe papa walesa. Asambe lipo nanga. O izala ki akokufa ipa nanga. Ezui vi. Abale linga mwasi. Na boti pe bana. Boye bike. Moboti nyon soye singwa zala kanango. Izala katango azo tala bana. Azo tala mwasi. Me eloko ya kokamwa. Na tali na television. Na Monica Diombo azolo bake bana wonga na zana bango baza bana na ngate alobike ata soki toke na examen Aden mutoko confirmer ke bana wana baza bana na ete yango bokolanda nano maloba ya Kadiombo bozana papa moko za kuna koka bapesa imutuka babale liye mwasi na kabundi balobi aboti mwana. Boke ne wana bosala ADN ya koka wana na mwana. Et puis bo tuna médecin. Soki faso koka oyo azali pa kabundi akoko sala acte sexuel po aboti sa mwasi. Po biso to ibi role ya koka wana. Le gardien de du temple. Merci. Naibi ke bolandi. Yango wana na porté Kadiombo plainte na parquet. Tozo kende na eparke azo mema ngai na Kadiombo na examen ya Aden
suki bana babimi ke baza yangaite ka jomba zana likambote me suki bana babimi ke baza bana na ngai ngai na ka jombo nazo senga pe bakonzi ya mboka toza na mboka oyo état de droit e koti na mboka na yebi ke bino nde boyebi mibeko boko sali sanga parce que déjà image mabeza na kati ya mitu ya bana na kati ya quartier batu bakomi ko suspectenga ba bru eza ebele ebimi na monoko ya kajombo président ya mboka naza na faso akukutana na yote me na yebi ke message yo papa ekokomela yo oko sali sanga na likamboyo kajombo akanga mukaba kajombo kusika mukaba tufu afoneba ani bana kama ibatu kabani meme ikala bana batu kabani meme zambi wakabunjwa lesa mumu enekele mungumbu shabundu ah seigneur seigneur batu ebele ba matisi kondima nanzela kobota nanga oyebike batu ebe boni baoba boti nanzela ya komwana bana nanga lelo ya kuimbilie Jesus Christ gloire ya nzambi yo zanani na hibi ke leta plainte deja izali merci Kadiombo papa. Et vous êtes encore allé plus loin, j'ai suivi encore la réaction de notre frère qui s'est marié là-bas. On lui dit que non bon à botate libala neza ki lokuta moi na neza ayete. Bon, si vous avez des preuves et que vous avez ADN comme l'évangéliste ou le frère là lobi, il y a un déconna biso handicap à lobi que non sauf ça la preuve. Il y a quand on a télévision caméra na boye sans déontologie professionnelle, allez, tu parles ce que tu peux parler, tu es libre bien sûr, mais lorsque tu veux amener une information pour convaincre les gens, il faut avoir des preuves. Est-ce que vous avez des preuves que bana ya ndeko na biso handicap ou bala ki na kabundale, vous avez ça? Est-ce que vous avez un test ADN koloba ki non libala neza lokuta bana wana bazé ayete? Ça c'est une accusation. Ndeko ba tozu libala n'est pas kabundale ça. Aza handicap aboti bana yo lobi ke bana na bazaya yete. Est-ce que ça l'a test ADN? Ce que sope bo sali test na ADN inde kwa na memyo na parke et que Isaiah soloté. Eh papa Kadiombo, ne trouve pas que il y a des choses, peut-être il y a des conflits vous avez entre vous les gens de même province et que vous n'êtes pas convaincus, il y a des choses, des deals que bo salaki entre vous trois là, entre vous et que simbité maintenant nous sommes des victimes pour écouter vos bêtises. Permettez-moi le terme, mais j'ai bien dit des bêtises. Parce que Congo n'a pas besoin de toutes ces histoires-là. S'il y a des rendez-vous que vous voulez faire, faisons-le entre vous. Vous connaissez la maison de M. Kabundiko Lesa, vous connaissez la maison de notre bien-aimé handicap pour lobby qui est banana basé à Yete. Ça, ce sont des accusations. Naba mboko loko l'Afrique du Sud, boye bako landela yo, ba kangio na caméra na yo, ba kangio na équipe technique no mobimba. Parce que vous diffusez des choses sans avoir de preuves tangibles, hein. Sans des reports médicaux, sans des medical reports qui ne prouvent pas que Banawana, basé en Dekoana, ce sont des bêtises. Et entre guillemets, vous tous venez de la même province. RDC sont au conduire en cabre, vraiment. Les gens entrent dans des internets pour avoir des informations, pour être instruits. Et on suit quelqu'un qui parle de bêtises que non, frère, on a un handicap, on a banana basé à Yete. On est à l'accusation, papa. Ata yomoko. Les accusations, aux gens n'ont pas médical, t'es pour le bakiba n'en a pas à yoté. Aux gens ont pété tant sur 20 minutes, mobimba. Et tu dis que miracle, il balana miracle, là, kabundiole, ça sala qui m'ont pas attiré, batou. Est-ce que vous avez des preuves? Même si vous avez des preuves, papa, tous ces temps-là, quand ça se faisait, pourquoi tu n'avais pas dit ça? Parce que tu as dit que tu as des vidéos. Je ne fais pas l'avocat du diable, je ne défends même pas Kabundiole ça. Mais je voulais un peu nous amener à comprendre comment les médias et comme n'importe qui passe à la télé pour dire des bêtises. Tout ce temps-là, quand Kabundiole c'était en Mbujimayi, pourquoi tu n'avais pas dit Gaza Lokuta? Et tu as entendu que le monsieur évolue dans son coin, comme tu as dit que l'église comme Eligablo, il évolue. Et comme il a maintenant fait la prophétie pour le chef de l'État, ah, c'est qu'il y a une voix. Azolu Kabatambon, tout le monde est là. Va le chercher, parle avec lui, n'est-ce pas? Va le voir en privé. Je crois que c'est un signe de la maturité, si vraiment vous êtes un serviteur ou vous êtes un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Écoute ceci pour que je termine le dossier Kabundiko Lesa, évêque Mukuna et Ndeko Kadiombo.
Papa, le Congo n'a plus besoin de ces distractions. Le Congo a besoin des informations qui donnent des valeurs. Le pays est entré dans des transits où nous cherchons à reconstruire un pays, à préparer un avenir, à préparer une génération qui ont des valeurs morales, qui ont des valeurs intellectuelles, qui ont des bagages spirituels. Au Bakomimambo Kalibosso, pas ces envoûtements-là. Vous avez consommé sur la data, vous avez consommé sur la méga pour rien. Et puis à la fin, il n'y a que des randos, il n'y a que des insultes. Vous êtes la PH Nabino, s'il vous plaît. Parlons un peu de la Mouka. Donc, je crois que c'est compris. Moi, j'ai lancé un défi. Si vous avez des preuves, ramenez-nous encore ma vidéo Moussoussou. Fais-nous voir que non. Kabundiale, Saza, Moïbi, Aza, Tchor, Aeskoka, Kiyoboué, Aeskoka, Kibatoué, Zlanda, Salapé, intervient à Bato, Kabundiale, Aeskoka, Kibango. Fais ça. Comme ça, nous savons que c'est vrai. Parce que tout voulait amener ça sur les réseaux sociaux. Le Congo n'a pas besoin de ça. On a beaucoup de choses à faire. Fachi n'a pas encore organisé le gouvernement. Vous embriez en Bersa. Vous nous embriez. Ce sont des bêtises, papa. Bokende bokende ko arrange makambu na bino. Ce que bozana ba rande ke bosina ki va contrat et que mbongo apesa ki mbongo. Papa ka diombo. Ce qui papa wale sa pesa ki mbongo te boyo kana ka peso $500 to $10,000 et ka peso te menon zio kazo ko le kana sina de télévision. Pour ye bizaba to ba bêtise. Toza en posa na ngoto. Nous avons pas besoin de ça. On n'a pas besoin de tout. Arrangez-vous entre vous. Épargnez-vous de ces bêtises-là, s'il vous plaît. Comme tu as dit qu'ils sont libérables, Tikaye. Jésus a dit ceci, si vous êtes un chrétien ou vous allez à l'église, Jésus a dit ceci, tout ce qui est ivré, n'a blé et col ensemble. Le chef de la moisson viendra, a copi cola cotamisé, yamala moissanin, a tchepemben, yamabe a bois qui en a feu, na moto. Alors qui es-tu pour juger l'homme de Dieu? Sogaza fek. Troisième talokuta, aluka confiance fatia au sein de l'église na fatia au long de la fidélité. C'est juste le message qu'il a eu. Papa évêque Mukuna, nous sommes vos enfants. Nous, les téléspectateurs qui nous vous suivons, nous qui sommes aussi des mères, nous sommes vos enfants. Tout ce qui se passe, vous n'êtes pas obligé de passer à la télé pour répliquer. Moi personnellement, je trouve que c'est pas un signe de la maturité. Appeler ces gens-là, signe de la maturité. Je n'ai jamais vu Tidi Jex. Ceux qui créent Fodola, ça c'est le problème. Tu l'as dit vidéo, mais tu dis que ça a été les mêmes créent Fodola. Les Américains ne font pas ça. Mais pourquoi seulement nous les Congolais? Hein? Natala n'a été parmi les vidéos à Tidi Jex, Joel, Miles Monroe, Joyce Mayer. Bah grand nous sommes sur la télévision, bas opportunité qu'on les gagne à télé, bas ça la barrando, bas sur tout ça là. Ce n'est que nous au Congo. Sauf c'est invité moi celle de Moussa Sabine à télé mais lui. Sauf Moussa celle le moi malam bah Azana Kissi. Azanakisi, avec Moïse Mbi, avec Mike Kalambay, Azanakisi. Donc, Dieu ne peut pas bénir, Dieu ne peut pas parler. Tout, c'est démoniaque, tout, c'est sorcellerique, tout, c'est occulte. Come on, guys, s'il vous plaît. Vous épargnez Bissouango. Vous épargnez Bissouango, et vous quittez Sagabino Bandeko. Vous, vous êtes nos papas, dans la foi, et vous ne sopa Bino, au Bakongole Balobasa, vous ne sopa. Et vous ne sopa Karabino Kaka. Mais vous pensez que vous vous défendez, vous n'êtes pas les défenseurs de l'église. Jésus-Christ est le défenseur de son église. Le Saint-Esprit se défend de son église. Qui es-tu pour défendre l'église? D'ailleurs, vous avez des bodyguards. Mais pour défendre l'église, n'a pas bodyguard nabino. Si vous avez, vous êtes des défenseurs, il ne faut pas avoir des bodyguards à l'église. Vous avez aussi peur. C'est comme quelqu'un qui a des bodyguards, il n'exerce pas la foi. Oh non, il faut par mesure de sécurité. Par mesure de sécurité, c'est Dieu qui protège. Les chefs de l'État ont besoin de bodyguards. Parce qu'ils font un travail de l'État. Ministre et tout ça. Même les ministres de l'Éternel. Un dossier à suivre. Voilà. Pour que je termine l'actualité encore. Alors l'évangéliste, notre bien-aimé handicap, j'ignore encore les noms. Garde ton silence. Je crois que ce n'est pas important d'aller aussi dans des réseaux sociaux pour répliquer, témoigner. Mais si ces enfants-là sont les vôtres, moi je trouve que tu as droit à passer à la télé, tu peux même m'appeler Boloa, mon numéro dans le petit écran. Obi Bolanazo bengona sala interview no en téléphone en direct de Congo. Ponem sa bandego ke banana bazengai, Dieu m'a visité. Sukezana ba setup, suka suka koyeba. Sukezana ba frappe. Kenze kombo nzambe komi business, suka suka e koyeba nakaka. Eloko mokota molili e bata marata mulai. E ko zala exposer. Voilà, parlons un peu de l'analyse, parlons un peu de la politique. Politique, c'est l'arrivée de Félix, plutôt Fayoulou, Martin Fayoulou, au niveau de Kinshasa. Il doit tenir une réunion au niveau de Sainte-Thérèse. L'autorité actuelle, le gouvernement, le gouverneur de la ville lui a donné quand même l'autorisation, Yako Sangisa Batounaye. Mais en rentrant, on nous dit que la Mouka,
s'est mis pour devenir un regroupement politique. Merci beaucoup. Mais moi, selon la manière dont moi je vois les choses, Bandekonanga, Ndeko Piero El Picasso au niveau Belgique, selon moi, ça c'est mes analyses. Hein? Je n'ai ni de la mouka, je suis ni de la mouka, ni de qui que ce soit. Je suis un analyste indépendant. Je fais ces mes analyses en tant qu'observateur, en tant que l'homme des médias. Tout ce temps-là, pourquoi vous n'avez pas fait que la mouka soit un regroupement politique? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous vous donnez, vous, entre vous, vous êtes 6 à 5 à 6, entre vous, les qui Mouzitu, Katumbi, maintenant qui commence à être le président de la mouka pour un trimestre. Donc après 3 mois, Oya Longwe, Bozi, mais au moins, t'es que ça peut soit pas pourvoir. Chers téléspectateurs, chers Congolais compatriotes, bah résistants bah partout dans le monde, bah combattants, vous avez dit que ça soit pour vous, bah vous avez pouvoir. Ils n'ont pas vraiment les soucis du pays. Donc, Bondimi Nabino l'a mouqué comme un parti politique pour vous faire un mandat à 3 mois. 3 mois, c'est Moïse Katumbi. Après 3 mois, c'est Mouzito. Après 3 mois, Dobatie Martin Fayoul Nasuka. Il y a tant que porte-parole, Nabango Yazan Nasuka. 3 mois, c'est un tel Adolphe. 3 mois, c'est un tel. Donc, tout ça pour dire que tout le monde veut être chef. Je vais régner en tant que président de la Mouka. Mais là où il y a deux visions, il y a la division. Maintenant, vous êtes à 5, ici c'est à 7, ici c'est à 8. Donc, il y a au moins 3 visions. Donc, dans 3 mois, on a Moïse Katumbi, on a une vision en tant que président. Sauf que si ici, Moïse, tu peux en tant que vision en président, nous sommes à la Nakata la Mouka. Moi, je trouve que c'est du désordre. Pourquoi ne pas choisir un président, vous lui donnez un mandat, peut-être de 2 ans, peut-être de 5 ans. Vous amenez vos idées ensemble, avec vos moyens aussi, Moïse Katumbi a beaucoup d'argent, Jean-Pierre Bemba a beaucoup d'argent. Vous amenez vos idées ensemble, vous avez commencé officiellement un parti politique qui peut vous opposer reconnu. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la Mouka n'a mis tout fâché à son opposition. Tout le monde aura une coalition entre FCC et puis Cash. Mais pour le moment, l'opposition est athée. Bon, dis-moi que soit Moïse Katumbi à la présidence pendant 2 ans. Et s'il y a 3 mois, il y a un peu Congolais en étranger. Donc 3 mois, s'il y a Katumbi à Longwe, après 3 mois, Fayou la présidence, il n'y a pas qu'on réunit dans le coin. Mais je ne sais pas, I don't know. Je ne sais pas, Bakorni Bozuana, mais pour moi, je trouve que c'est trop match. For me, it's too much. 3 mois dans un trimestre. Donc après 3 mois, Bozong, il y a 3 mois, M. T. Boti Kabiso. Papa n'a pas la politique. Moi, je trouve que selon mes analyses, je vois qu'il y a toujours la soif du pouvoir. Vous êtes toujours assoiffé du pouvoir. Et je crois que ce serait un des autres. Ça, c'est un conseil que moi, je suggérerais. Cherchez quelqu'un qui peut diriger la Mouka pendant 2 ans ou 3 ans. Vous mettez vos efforts ensemble, vous mettez ensemble, vos commissions ou partis politiques opposants officiels pour être là, en train de combattre, en termes de combat, combattre tout ce qui est comme anti-valeur et pas fachi. Je crois que c'est normal. En Afrique du Sud, ici, nous avons IFF qui est dirigé par Julius Malema, nous avons DA, Democratic Alliance, qui est dirigé par Moussa Maïmaï, nous avons COP, qui est dirigé par Lirota, nous avons un parti politique et belé UDM, ACPS, nous avons un parti politique et belé opposition. Bah, ça, le président Mongo, bah, ça, la 3 mois. Tout ce qui est anti-valeur, il y a un combattant. Tiens, dans le Parlement. Maintenant, dis-moi un peu. Dans l'Assemblée nationale, vous avez tout la Mouka. Ce que vous combattrez, vous avez un argument dans le Parlement de l'ENI. Parce que vous êtes nulle part. Maintenant, votre combat sera sur quoi? Je vous ai dit encore, je ne suis ni de la Mouka, je ne suis ni pour ni contre la Mouka, je ne suis ni pour ni contre Fachi. Mais nous cherchons le bien-être du pays. L'Assemblée nationale Bozate, FCC en a déjà majorité à l'Assemblée nationale. Ce que vous combattrez quoi? Votre combat sera seulement limité dans les réseaux sociaux. Il y a aussi la bini sarabatu. Non. Réajustez un peu vos accords, ce que vous avez dit à Belgique, au Salina Belgique. Et les conseillers de la Mouka, s'il vous plaît, revoyez un peu vos conseils, votre lutte. Si vous avez pu penser à ce que moi je vous ai dit, bien sûr, si vous n'avez pas pu penser à ça, pensez à cela. Bon, on a 3 mois, wana, si vous avez déjà signé, vous pouvez encore revoir votre constitution de la Mouka, peut-être 2 ans ou 3 ans à un président. Les restes, vous salimo structure Moko Boé, vice-président, la Mouka, chargé à secrétaire général, vous salimo ministère Nabino Moko, Naba Jeunesse Nabino, vous salimo opposition pour combattre Fachi.
tout ce qui est un petit peu parce que bolobi que Fatih va coopérer na FCC pour nous détruire Mboka. Mais binomo d'abord bossali 3 mois 3 mois. Maintenant qui va combattre quoi? Qui va combattre qui? Et si Moïse Katumbi comme il commence à diriger la Mouka dans les 3 premiers mois et il ne fait pas selon ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous allez faire? Bolon là président. Un dossier à suivre. Merci à vous, chers téléspectateurs, de choisir Espace Dialogue avec moi, José Bolois. Merci les abonnés de Congo Dialogue. Voilà un peu l'actualité. Voilà un peu la réflexion. Espace Dialogue, c'est là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Un grand merci à la patronne, Maman Francine Gembe de la Belgique, grand prêtre mère. Grand merci à Chris qui était derrière la caméra, Mudiangomba. Grand merci à Maman Ninel Ntsenga, mon thème à Maître Taizon à Crafontaine. Grand merci à El Picasso. El Picasso, bossa au Sakanate. Grand merci à JJK, Jean-Jacques Azadi à Johannesburg. Grand merci à Bossanite, à Nzetemboula Power, le Maman, grand prêtre. Grand merci à vous aussi, chers téléspectateurs. On se retrouve à la fois prochaine, la conversation continue. La Mouka de retour à Kinshasa pour un mandat de 3 mois. Après 3 mois, après Moïse Katumbi, un autre président. Alors, la religion, un dossier à suivre. Merci. Restez branchés sur Congo Dialogue. Facebook, c'est José Bolo. Tenez-vous bien, bye.